Je vous demande sur les questions de cours, il faut tout avoir en actif, c'est pas... Voilà, hop, allons-y. Donc l'exercice 12, j'ai juste modifié les trois questions qui posent problème. La question 3, je sais pas ce que j'ai fait, il faut montrer que IN plus 2 plus IN, mais ça fait pas du tout ça. Ça fait 1 sur racine de 3 puissance N plus 1 fois N plus 1. Il n'y a pas du tout de IN plus 1, je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'ai écrit ça. Et ça, c'est vrai pour tout N appartenant à N. Ensuite, la question... on va reprendre les questions d'après parce que je suis obligé de changer l'ordre à cause de ça. La question 4 devient montrer que IN est décroissante. Les questions avec du Python, on les fera pas aujourd'hui, on les fera en info. Oui, mais je remodifie l'ordre parce que à cause de ça, je dois modifier certaines l'ordre des questions pour avoir un sujet cohérent. C'est juste ça. La question 5 n'existe plus, entre guillemets, et devient montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, IN est positif, et si je ne me trompe pas, c'est plus petit que 1 sur 2 racine de 3 puissance n-1 fois n-1. En déduire que la suite IN, n appartenant à n, tend vers 0. Voilà. Bon. Le reste est correct. Les questions de Python, faudrait juste les faire. On va pas en parler là. On en parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, en Python, on revient en salle de cours pour que je débriefe sur le type d'exo que vous avez rencontré et pourquoi vous avez des différentes difficultés pour les faire. Et donc, ce qu'il faut faire sur ce type d'exo-là. Et après, on repartira en salle informatique la semaine d'après. Avec un nouveau TP ou la fin du TP que vous pourrez faire beaucoup plus facilement normalement. Mais j'avais besoin de vous mettre sur salle machine pour que vous compreniez comment marche un terminal Python et que vous compreniez un peu mieux le langage. Oui Amélie. Oui, j'ai mis des exposants n-1, mais j'ai mis pour tout n supérieur ou égal à 2. C'est important parce que si n pouvait être nul ou surtout égal à 1, ça poserait des problèmes cette propriété-là. Je suis là, une virgule et on est bon. Allons-y. Donc faisons cet exercice. Regardons la question 1. On n'a encore jamais fait de question comme ça. Montrer que IN est bien défini pour tout N appartenant à N. Alors je ne l'ai pas mis, mais juste ça c'est plus pour le contexte. IN, enfin le nombre IN, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance N de T dt. Donc oui, on a bien une suite d'intégrales. On a une intégrale, mais cette intégrale dépend d'un paramètre n, ce qui fait que la valeur de l'intégrale est une suite. Ici, ce qu'on demande, c'est montrer que le réel IN, donc l'intégrale, est bien définie. Qu'est-ce qu'il faut dire pour justifier qu'une intégrale est bien définie? Si vous avez compris le résumé de cours que j'ai fait là en début d'heure. Louis, c'est ça qu'il faut dire. Donc il faut justifier que la fonction donc, qui est sous l'intégrale, donc ici c'est la fonction tangente puissance n, est continue sur le segment 0 jusque pi sur 6. Donc c'est ce qu'on va dire. On a tan qui on sait, elle est c infini sur r privé de l'ensemble des, vous devez connaître votre cours, des pi sur 2 plus kpi. K appartenant à z. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Sans aller dans les détails, tangente est continue sur 0 pi sur 6, vous êtes bien d'accord. Maintenant, la puissance n, vous pouvez la voir de deux façons. Soit comme une composée,
on compose avec la fonction qui a x donne x puissance n, mais les domaines de composé sont techniques et il faut expliquer des choses, où on peut voir la puissance n comme tangente fois tangente fois tangente fois tangente n fois. Ce qui veut dire qu'on a tout à fait le droit de voir ça comme un produit. Et donc si on voit ça comme un produit, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à justifier? Non, le produit de fonction est bien continu sur le même domaine, donc on va dire par produit. Par produit, tangente puissance n et continue sur 0 pi sur 6. Donc IN est bien défini. Alors ça par exemple, je vous le dis, votre DM, il n'y a pas cette question là, c'est parce que je voulais plus le modifier vu que je l'ai mis vendredi dernier en ligne. Je m'en suis voulu parce que c'est des exos de type bac, des vieux. Donc parce que maintenant de plus en plus nos exos de concours ressemblent aux vieux exos de type bac. Mais à l'époque sur ces exos de type bac, il n'y a absolument pas de question au tout début pour dire que les suites sont définies. Je vous assure que nous, il y aurait une première question à chaque fois dans les sujets disant que les suites, vérifier que les suites sont définies pour parler de la continuité de la fonction sous l'intégrale. J'aurais dû donc rajouter une question 0 à ces deux exercices. Si vous voulez me le faire en plus, faites-le. Mais c'est juste ça qu'il faut dire à chaque fois qu'on vous demande de vérifier qu'une intégrale est définie. On va en refaire d'autres après cet exercice pour pouvoir voir d'autres choses là-dessus. Voilà pour ça. Deuxième question. Calculer I0, I1, I2. Donc là, vraiment des questions de calcul d'intégrale. Donc il faut savoir, là, oui, il faut savoir calculer des intégrales, mais souvent I0, I1, I2, enfin ce genre de premier terme, c'est vraiment des calculs d'intégrale assez faciles. Donc regardons I0. I0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance 0 de t dt. Ça fait quoi tangente puissance 0? Ça fait 1, 100% d'accord Marie. Donc ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 dt. Et ça, je vous primitive même pas ça, je fais le calcul directement. Ceci, je vous le rappelle, c'est une surface. C'est donc une surface d'une fonction qui a pour hauteur 1 sur l'intervalle qui va de 0 jusque pi sur 6. Donc c'est la surface du rectangle qui est là. J'espère que vous êtes tous capables de me dire que la surface du rectangle qui est là, c'est pi sur 6 fois 1. Côté fois, enfin, longueur fois largeur. Il n'y a rien de plus méchant que ça. Ok, on continue. On va monter un tout petit peu en niveau, mais on l'a déjà fait cette semaine, donc on va aller vite. On cherche à calculer l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente t dt. Tangente puissance 1. Vous n'êtes pas obligé de faire cette ligne intermédiaire derrière, mais ça, c'est juste tangente t dt. Comment je primitive ça? Comment je fais? Est-ce que ceci est une primitive de référence? Je pense pas. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, Mathéo? Ouais, c'est exactement ça, il faut y penser. On revient à la définition de tangente. La définition de tangente, c'est sinus de t sur cosinus t. Et celle-là, on l'a déjà primitivée plus tôt cette semaine. C'est pas une primitive de référence, mais c'est une forme de référence. Et comme je vous l'avais dit, quand il y a un quotient, il vaut mieux choisir pour la forme plutôt. Ça ne marchera pas tout le temps, mais plutôt, en cas de doute, le dénominateur. Donc si on pose u de t qui vaut cos t, on a u prime de t qui vaut moins sin t, on se retrouve à écrire que I1 c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 6 de sinus t sur u de t fois u prime de t avec ma méthode sur moins sin t. Et ça, je vous rappelle, on peut simplifier les sinus et sortir le moins. Ça fait moins l'intégrale de 0 à pi sur 6 de u' de t sur u de t dt. Ce qui va se primitiver de façon relativement simple. Donc ça, c'est une forme de référence. Hein, ou au pire, on revient à du 1 sur x en posant u' égale à 1 et u égale à x. On l'a déjà fait, donc je vais gagner un tout petit peu de temps. Ça fait du ln de valeur absolue de u de t dt. J'en profite pour faire une remarque. La valeur absolue, ça souvent j'ai les premières semaines de colle, j'ai des erreurs. La valeur absolue, elle est à l'intérieur du ln. Elle est surtout pas à
l'extérieur, c'est vraiment sur la fonction qui est à l'intérieur. Ah, donc ça fait ceci, il faut maintenant calculer ce que ça veut dire, donc ça fait du moins ln de cosinus pi sur 6, qui est un nombre positif, donc je peux enlever la valeur absolue, plus ln de cos 0. Ah, si on veut faire le calcul, ça m'intéresse pas trop, mais cosinus pi sur 6, on est sur un petit angle, donc un grand cosinus. Ça me fait donc du moins ln de racine de 3 sur 2. Et cos de 0, ça fait 1, donc ln de 1, ça fait 0, donc ça fait ça plus 0. Comme ça, j'ai fini ce calcul sur cette page-là. Ok, on a calculé I1, donc des choses qu'on avait déjà faites, des choses pas trop méchantes. On continue. Pourquoi? Ah, j'ai pas mis de souris. Journal, nouvelle page après, je remonte un peu. Ça va si je remonte là? Je suis où? Je suis là. On arrive au calcul de I2. Alors ceci, c'est pour vous montrer quelque chose. Ce que j'ai mis vraiment dans votre tableau de primitive de référence, c'est ce qui a des paramètres comme x puissance n, exponentielle à x, ln qui est nouveau, et cos et sin, parce que vous maîtrisez mal ce raisonnement, mais avec le cercle trigo, on peut s'en sortir. Je n'ai pas mis l'ensemble de vos dérivés. Vous devez savoir primitiver d'autres fonctions. Typiquement, et c'est là que je vais en venir, imaginons que je vous demande l'intégrale de 0 à 1, mais ça c'est juste une parenthèse, de 1 sur 1 plus x carré dx, vous devez savoir me primitiver ça. À la question, est-ce que c'est une primitive de référence, Hugo? C'est arctane. Mais donc, j'ai pas besoin de vous donner ça dans un tableau de primitive de référence, dans le sens où vous connaissez déjà vos formules de dérivées. J'en reviens à I2. Est-ce que ceci est une primitive de référence? Officiellement, non. Mais, Marie? La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carrée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est forcer ce 1 plus à apparaître ici. Ceci, c'est juste du intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 plus tangente carrée de t. Bah, si je forçais 1 à apparaître, je suis obligé d'enlever 1. Je force plus 1 à apparaître. Ça, c'est l'idée. Bien sûr, pour ne pas modifier le calcul, si j'ajoute un plus 1, je dois aussi le retrancher, sinon je modifie mon calcul. Ça, ça devient ceci. Et maintenant, ce que je peux utiliser, c'est la linéarité de l'intégrale pour dire que ceci, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 plus tangente carré de t dt moins l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 1 dt. Cette première intégrale, justement avec le raisonnement qu'on a mis en place, ça c'est juste du tangente de t à prendre entre pi sur 6 et 0. Et l'autre, on l'a déjà calculé tout à l'heure, je ne le refais pas, ça fait pi sur 6. Donc ce calcul, il va se faire plutôt bien, je suis où? Je suis là. Ça, ça fait du tangente de pi sur 6 moins tangente de 0 moins pi sur 6. Ça simplifie parce que tangente de pi sur 6, je vais un tout petit peu vite, mais vous devez connaître votre tableau. Tangente de 0, ça fait 0. Et voilà ce sur quoi on tombe. Voilà. Donc juste, je vais pas vous embêter à vous faire des tableaux de primitives de référence, mais il faut les connaître quand il y a des petites astuces comme ça. Ça arrivera une fois de temps en temps, c'est assez rare. C'est pas de la méthode. Alors, il faut y penser. Typiquement aussi, il faut aussi penser à savoir calculer cette intégrale-là. L'intégrale de, par exemple, 0 à 1 de 1 sur cos carré. Comment on fait ça? Question, est-ce que c'est une primitive de référence? Réponse, oui. Ça se primitive en tan aussi. C'est l'autre expression de la dérivée de tan. Et moralement, et je vais être clair avec vous, si on doit connaître deux expressions de la dérivée de tangente, celle en 1 sur cos est toujours moins utile que l'autre pour des histoires de dérivées. Par contre, si vous avez une fonction en 1 sur cos carré, vous serez bien contente de savoir que c'est la dérivée de tangente pour pouvoir la primitiver. Donc moralement, cette deuxième expression de dérivée, elle ne sert que pour les primitives.
Donc pour moi, il n'y a pas de formule à apprendre. Autant ça me paraît utile d'apprendre que la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 pour gagner un peu de temps. Penser que la primitive de exponentielle ax, c'est exponentielle ax sur a pour gagner du temps. Autant je ne vais pas vous faire apprendre que la primitive de 1 sur cos carré, c'est tan, parce que vous devez déjà savoir que la dérivée de tan, c'est 1 sur cos carré. Donc voilà pour ces petits calculs d'intégrale. Oui, Simon ? Alors justement, l'idée c'était, est-ce que ceci est une primitive de référence ? Non, mais on sait que 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de tangente. Donc il manque juste, est-ce que d'accord, il manque juste un plus 1 pour faire apparaître la dérivée de tangente. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a forcé ce plus 1 à apparaître. Comme ça, on a fait 1 plus tangente carré, mais pour pas modifier le calcul, si je fais apparaître 1 plus 1, je dois aussi le retrancher, t'es d'accord ? Donc c'est ce que je fais à la deuxième étape quand je fais du 1 moins 1. Et donc ça me permet de faire d'un côté apparaître 1 plus tangente carré qui est la dérivée de cos, donc que je peux primitiver avec la logique, est-ce que c'est une primitive de référence ? Oui. Et derrière, en compensation, j'ai juste du moins 1 dt qui est aussi une primitive de référence, dont on peut faire les calculs rapidement. Donc là, c'était une sorte vraiment d'astuce sur cette intégrale. Ah. Voilà. On doit pouvoir s'en sortir avec d'autres méthodes, avec des formes de référence ou des choses comme ça, mais ça doit être assez lourd. Donc autant profiter ici de cette astuce, c'est juste ça. On arrive enfin à nos nouvelles questions et aux dernières choses qu'on n'a pas vraiment vues et qu'il faut qu'on apprenne à faire. Je remonte là-haut. Oui. Non, là c'est moi pour vous le dire, on vous dira jamais ça du moment que vous ne faites pas n'importe quoi. C'est-à-dire du moment que vous ne sortez pas un x d'une intégrale en dx. Mais sinon vous n'avez pas besoin de le justifier, c'est moi pour que vous compreniez bien quelle est l'étape qui a été faite dans votre cours. Donc la question c'est, on vous demande, alors je remonte sur la question encore une fois, j'aurais pas dû redescendre. La question 3 c'est montrer que in plus 2 plus in est égal à un nombre. Comment on peut faire ça? Pour ça, j'ai envie de partir d'une méthode basique qu'on maîtrise. Pour montrer une égalité, on peut essayer de partir du membre de gauche et aller jusqu'au membre de droite. Donc je vais partir de in plus 2 plus in, tout simplement. Allons-y. Je suis où? Je suis là. In plus 2 plus in. Ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance n plus 2 de t dt plus l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance n de t dt. Comment je vais continuer ces calculs? Et là, c'est une logique qu'on n'a pas encore vue, mais qu'il faut essayer de penser. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici pour poursuivre les calculs? Théo? Oui, alors c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Souvent, on fait plutôt que les séparer que les rassembler. Mais pourquoi vous faire calculer la somme des deux intégrales si ce n'est pas que le fait de faire ces deux calculs ensemble simplifie le calcul? Donc ici, il y a clairement un intérêt à essayer de les rassembler. Donc ici, si on regroupe ceci, ça fait par la linéarité, encore une fois, mais dans l'autre sens. Ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance n plus de t plus tangente puissance n de t dt. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'un point de vue calcul à voir d'assez simple pour simplifier cette quantité. Je vais quand même mettre ici, on regroupe. Sur ces deux quantités, moi, je ferais bien quelque chose d'un point de vue calculatoire qui m'a l'air logique et simple. Oui, on va factoriser, parce que ça me paraît logique, moi. Ça fait du tangente puissance n de t, et si je simplifie mes puissances, il va me rester du tangente carré plus 1 dt. Oui, alors justement, je vais l'écrire proprement comme on l'a vu juste avant. Mais ceci, ça peut se réécrire tangente puissance n de t fois tangente prime de t dt. On est d'accord avec ça? C'est quoi du coup ce calcul? Est-ce que c'est une primitive de référence? Non, mais est-ce que c'est une forme de référence? Oui, si je remplace tan par une lettre
U, est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a du U puissance N fois U prime de T? Donc on n'a plus de termes en T, on n'a plus que des termes en U et U prime. Donc ceci, il faut que vous arriviez à voir, ou en posant U à la ligne d'avant, hein. Mais ceci, c'est de la forme, je vais le mettre ici entre parenthèses, de la forme intégrale de U de T à la puissance N, U prime de T dt. Donc ceci, c'est une forme de référence. Je vais refaire mon petit calcul à faire au brouillon ici dans un coin. Je vous le redis, je veux pas voir ça sur une copie. Du coup, pour la semaine prochaine en colle, vous faites ça sur votre tableau quand même, mais vous dites au colleur que vous faites un petit cadre comme moi je fais avec brouillon en disant non mais ça c'est la technique de monsieur Guy Foireuse, elle marche bien mais je veux pas l'expliquer. Ce qu'il faut, c'est passer de cette ligne là, ça ira très très bien. Ah, mais donc n'ayez pas peur en disant je veux pas écrire de choses fausses sur mon tableau de en colle, n'ayez pas peur de faire ça si vous avez besoin de ça. Donc je vous l'ai dit, la technique c'est de poser U' égale 1 et U égale X. Si vous faites ça, la quantité U puissance N, U', c'est devient X puissance N. Une primitive de X puissance N, c'est quoi ? Liam ? Ah non, ça c'est la dérivée. Oui, c'est du X puissance N plus 1 sur N plus 1. Ce qui veut dire que la forme de référence qu'on doit trouver, c'est du U de T à la puissance N plus 1 sur N plus 1. Donc dans votre copie, ce que vous faites, c'est vous passez juste de cette ligne-là à cette ligne-là en disant que vous avez magnifiquement retrouvé une forme de référence. Ça fait donc du tangente de pi sur 6 puissance n plus 1 sur n plus 1. Moins 0 parce que tangente de 0 ça fait 0. Et encore une fois, tangente de pi sur 6, vous devez connaître votre tableau. Mais c'est la première valeur du tableau, donc c'est du 1 sur racine de 3. Tiens, je vais le faire en deux temps pour que vous voyez bien ce qui se passe. Ça, ça fait du 1 sur racine de 3, le tout à la puissance n plus 1. Le tout sur n plus 1. Et ça, par règle sur les puissances. Vous n'êtes pas obligé de faire autant d'étapes de simplification. Hein. Mais par règle sur les puissances, ça, ça fait 1 puissance n plus 1 sur racine de 3 puissance n plus 1. Et en dessous, par juste mise au même dénominateur, je vous rappelle que ici on a du a sur b sur c sur 1, ça va faire du 1 sur racine de 3 à la puissance n plus 1 sur fois n plus 1. Oui Hugo ? Alors en deux temps, à droite ce que j'ai mis du égal, c'est juste le fait que a sur b puissance x, a et b peuvent être différents, mais comme c'est la même puissance, je peux les regrouper ou les séparer. Donc 1 sur racine de 3 puissance n plus 1, ça devient 1 puissance n plus 1 qui fait 1, et racine de 3 puissance n plus 1, donc je peux rien faire. Et maintenant c'est du a sur b sur c sur d exactement, mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a que 3 fractions, donc celui qui manque ici c'est le d. On a du a sur b, le tout sur c. Donc je remplace le d par 1 et ça, ça devient du a sur b fois 1 sur c. Et donc si j'applique ça, c'est bien la formule que j'ai mis là, ici. Ok avec ça? Vaut mieux faire plusieurs lignes simples rapidement qu'essayer de faire une ligne compliquée de tête et avoir faux à la fin. C'est vraiment un réflexe qu'il faut que vous appreniez. Des maths, on peut faire des lignes faciles très très vite, même si ça a l'air d'être long parce que votre calcul il prend une page. Il vaut mieux faire plein de lignes rapidement sans faute que de faire une grosse ligne avec une idée, je vais faire tout ça d'un seul coup, et d'être pas sûr au final ou de faire une erreur de manipulation et d'avoir faux. Ok, bah on a su faire cette question 3.
C'est la dernière question de calcul de ce sujet. Il n'y a plus de question de calcul d'intégrale. Maintenant, on va utiliser d'autres propriétés. Alors, je remonte. La question 4, montrer que la suite est décroissante, c'est un fondamental. Je veux que vous maîtrisiez cette question et que vous sachiez la faire. C'est une question de cours pour la semaine prochaine. C'est l'idée qu'il y a derrière qui m'intéresse. J'ai déjà rappelé une chose depuis le début de la semaine. Ça veut dire quoi qu'une suite est croissante? C'est quand un plus 1 est plus grand que un. Mais ça, on peut le réécrire d'une autre façon. Ça, je vais mettre entre parenthèses. Pour une suite, c'est comme ça qu'on montre qu'une suite est croissante. Mais pour nous, ça revient surtout à voir ça comme ça. En général, il est plus simple de trouver des signes que de comparer des nombres. Donc, il est plus simple de dire qu'une suite est croissante si et seulement si un plus 1 moins un est positif. Avec bien sûr la réciproque en dessous, c'est que la suite est décroissante si et seulement si un plus 1 moins un est négatif. Sachant ça, comment on peut étudier la monotonie d'une suite d'intégrales? Et c'est toujours la même méthode. Ben, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller étudier le signe de in plus 1 moins in. Donc ici, la suite, c'est in, donc on va aller faire le calcul de in plus 1 moins in. Oui? Ici, elle doit être décroissante, mais je vous rappelle juste le concept de définition qui fait dire quel calcul on va mener. À la fin, on ne va donc pas prouver que cette quantité elle est positive, mais qu'elle est négative. Mais le concept est là, et donc si notre suite était croissante, la méthode ne changerait pas. Il n'y a pas de méthode différente entre prouver croissante et prouver décroissante. Donc ceci, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance n plus 1 de t dt. Moins l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance n de t dt. Encore une fois, qu'est-ce que je peux faire sur ce calcul? Si on me fait faire ce calcul-là avec la différence de deux intégrales pour essayer de déduire quelque chose, ce n'est pas pour les laisser séparer. Le but, c'est de les regrouper. Ceci, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 6 de tangente puissance n plus 1 de t moins tangente puissance n de t dt. Je fais une nouvelle page et je descends après. Enfin, je remonte. Je continue en dessous comme ça, mais vous pouvez continuer votre calcul. Maintenant que j'en suis là, exactement comme tout à l'heure, on va factoriser. Ça nous fait du tangente puissance n qu'on peut mettre en facteur, et il y a du tangente t moins 1 qui arrive derrière. Et à cette étape-là, on pourrait tenter, et je vous assure que ce n'est jamais le cas, je dis bien que 100% du temps, il n'y a pas à le faire normalement, vous pourriez tenter d'essayer de calculer cette intégrale pour montrer que c'est positif. En fait, il n'y a jamais, je dis bien jamais, pour une suite d'intégrales à calculer l'intégrale pour trouver le signe de l'intégrale. Il faut uniquement utiliser la première propriété que je vous ai donnée dans le cours, qui est la propriété de positivité de l'intégrale. Ceci est une surface, les bornes sont dans le bon sens, le signe de l'intégrale va dépendre du signe de la fonction qui est sous l'intégrale. Il y a deux questions donc à se poser, quel est le signe de tangente puissance n sur 0 pi sur 6? Vous devez savoir que tangente sur 0 pi sur 6 c'est positif, donc tangente puissance n ça va être positif. La seule question qui reste c'est quel est le signe de tangente moins 1? Et donc on va trouver le signe de ces deux fonctions, et en trouvant le signe de ces deux fonctions, on va trouver le signe de l'intégrale. Donc là, c'est vraiment un point de méthodo que je veux que vous maîtrisiez. Attention, on ne calcule
Alors je vais mettre jamais. Si vous êtes capable de la calculer de tête, faites-le. Mais je vous assure que moralement, il n'y en a pas besoin. On ne calcule jamais l'intégrale pour trouver ceci, pour trouver le signe. On va déjà dire ce qu'on a dit à l'oral, mais qui est vrai. Sur 0 pi sur 6, quel que soit n, tangente t, c'est positif, ce qui implique que tangente puissance n de t, c'est positif. Comment est-ce qu'on va trouver le signe de 1 moins tangente t? En fait, la méthode est toujours vraiment... Cette méthode-là, pour les signes d'intégrale, marche 99,9% du temps. Et c'est la méthode la plus simple qu'on a à peu près. Donc même pas besoin de faire une étude de fonction. Là ou tard? En partant de quoi? C'est ça l'idée. Ah, tu veux résoudre l'inégalité et voir quand est-ce que l'inégalité est vraie? Très dur, trop dur. On peut faire beaucoup plus simple ici. Noah. On fait ce que moi j'appelle, mais c'est exactement ça, une amorce. On part du fait que t entre 0 et pi sur 6, que peut-on donc dire sur toutes les quantités, sachant qu'on part de t qui est entre 0 et pi sur 6. Et je vous garantis que pour trouver le signe d'une intégrale, l'amorce, ça marche 99,9% du temps. Je connais pas, enfin, je peux faire exprès de vous donner un exo où ça va merder, enfin, je peux le faire exprès, mais je vous assure que sur tous les exercices qu'on va vous donner de façon fondamentale, ça marchera. De plus, t est compris entre 0 et pi sur 6, donc là je suis bien en train de faire entre guillemets une amorce. Je veux apprendre des choses sur tangente t. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la fonction tangente pour avoir le droit de continuer ma série d'inégalités? Oui, on veut composer, donc puisqu'on veut composer, on va dire que t donne tangente t est strictement croissante sur 0 pi sur 6. Donc ça va nous apprendre que tangente de 0 est plus petit que tangente de t est plus petit que tangente de pi sur 6. Oui Yanis? Ah non, il te faut le signe de la fonction sur l'intégrale pour ça. On l'a pas encore, le signe de la fonction sur l'intégrale. 1 moins tangente t, c'est une somme avec deux termes de pas de même signe. On ne connaît pas le signe de tête. Il faut justifier le signe de 1 moins tangente t. Et une fois qu'on a ça, je suis d'accord avec toi, ça marchera grâce à la propriété de positivité de l'intégrale. Donc ça, maintenant, ça me fait du 0 plus petit que tangente t plus petit que 1 sur racine de 3. Maintenant, moi, ce que je voulais comme signe, c'était le signe de tangente t moins 1. Donc, ce que je vais juste faire, c'est que je vais ajouter moins 1 partout. Ça me fait moins 1 plus petit que tangente t moins 1 plus petit que 1 sur racine de 3 moins 1. Oui, Hugo ? On est obligé, pour justifier une inéquation et de vouloir composer une inéquation, on est obligé de préciser la monotonie de la fonction pour savoir si on change le sens des inégalités ou pas. Oui, mais alors c'est pas parce qu'on change pas le signe des inégalités. Si là vous ne mettez pas que la fonction tangente est strictement croissante, je vous assure que vous n'aurez pas tous les points à la question. Pour avoir le droit de composer, il faut justifier de la monotonie de la fonction. C'est pas négociable. Tout comme quand vous multipliez par un terme, il faut que le terme soit positif ou négatif pour avoir le droit de parler du sens des inégalités. Ce sont les deux opérations, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ajouter moins 1, là je vous le mets, là j'avoue que c'est juste pour vous rappeler quelle est l'opération que j'ai fait à cette étape-là. Ajouter moins 1, on a toujours le droit de le faire, ça ne modifie rien.
Dernière chose qu'il faut remarquer, c'est que 1, moins 1 sur racine de 3 moins 1, c'est un nombre globalement négatif. Si vous voulez vous en convaincre, on n'est pas du tout obligé de le faire, ça. Mais je vous rappelle juste que 3, c'est plus grand que 1. Ce qui donne donc que racine de 3, c'est plus grand que racine de 1 qui fait 1. Ce qui donne donc que 1 sur racine de 3, c'est plus petit, par composition par l'inverse, que 1. Donc 1 moins tangent de t est négatif ou nul. Au final, toute la fonction sur l'intégrale, il y avait un bout positif qu'on multiplie par un bout négatif. On est bien d'accord que le produit des deux va faire une quantité négative. Et, alors là, ça c'est très bête, hein, mais je vous assure que en correction de concours, on est très dur là-dessus parce que il y a les fois où c'est pas le cas, les élèves font n'importe quoi. Donc on demande à ce que tout le temps ils font attention à ça. Il faut que vous précisiez que les bornes sont dans le bon sens. C'est-à-dire que la borne du bas, c'est 0, qui est plus petit que pi sur 6. Je vous conseille de toujours mettre une phrase claire, parce que des fois, des étudiants, mais... Ouais, mais j'ai mis au début de la question, tout en haut à droite de ma feuille, que 0 était plus petit que pi sur 6. Donc j'ai dit que les bornes, ils étaient dans le bon sens. Non. C'est au moment où vous invoquez la positivité de l'intégrale que ça doit être dit clairement. Donc je vous conseille de toujours faire cette phrase-là. Et c'est juste parce que dire que les bornes sont dans le bon sens, c'est pas des bonnes maths pratiques. Donc je vous donne une phrase qui est correcte et qui ne froissera pas la sensibilité de n'importe quel correcteur au monde. Mais je vous conseille de la prendre, cette petite phrase-là. Et les bornes sont ordonnées de façon croissante. Je dis juste que je sais qu'il y a eu une discussion dans les listes de mails de profs pour la correction des concours où quelqu'un dit « Oh, l'élève a dit que les bornes elles étaient croissantes, mais des bornes, c'est pas des fonctions, donc c'est pas croissante. » Ça me va très très bien, les bornes sont croissantes. Mais à cause de ça, il y a des profs, je le sais, qui râlent pour dire ça. Donc les bornes sont ordonnées de façon croissante, ça justifie bien qu'elles sont dans le bon sens. Donc, à partir de ça, par positivité de l'intégrale, oui, Paul. Mince, c'était quoi ma quantité? J'ai été trop vite. Ah, c'était tangent de t moins 1, j'ai mal recopié de cette ligne-là à cette ligne-là, excusez-moi. J'ai voulu aller trop vite, j'efface. Il faut reprendre ça, je vais mettre en rouge. Il y a deux lignes où j'ai mal écrit, c'est pas 1 moins tangent de t que je voulais écrire ici. Ni là. Je mets en rouge, excusez-moi. Pourquoi il veut pas mon rouge? Ah, parce que je suis en gomme. Merci Paul, merci d'avoir fait la remarque. Je suis où? Ici c'est tangent de t moins 1 négatif. Et ici c'est tangent de t moins 1. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris d'inverser le sens. Merci Paul. On est tous d'accord avec ça, je voulais juste continuer le raisonnement d'avant. Hein. J'ai juste... Par positivité de l'intégrale, in plus 1 moins in est négative. Les bornes sont dans le bon sens, la fonction est négative. On a bien vu en cours que ça donnait une intégrale globalement négative. Et ça, bien sûr, ça implique que la suite in est décroissante. Cette dernière étape, on reverra ça la semaine prochaine, en fin de semaine. Ça ne m'intéresse pas trop ce détail-là pour le moment. Du moment, si vous me dites IN est décroissante sans mettre les indices, ça me va. Juste, ça c'est pour votre culture plus tard. De la même façon que f de x est un réel et que c'est x qui donne f de x qui est une fonction, IN est un réel
IN, N indicé par N est une suite. C'est juste ça. Donc c'est pour parler de l'objet suite, j'indice par N appartenant à N. Mais pour le moment, si vous mettez juste IN et décroissante sans mettre l'indice, on n'a pas encore revu les suites, c'est du détail et ça m'intéresse pas. Enfin, je ne vais pas vous sanctionner pour ça. Noix. Oui. Parfait. 100% d'accord avec toi. Par contre, il y a la ligne très importante que tangenté est toujours entre 0 et 1 pour avoir l'ordre des puissances. Mais ça marche aussi très très bien. Mais c'est un argument de plus haut niveau pour moi parce qu'il faut bien connaître ce graphe de la fonction puissance que j'ai dit et pas dire de bêtises là-dessus. Mais sinon, ça marche très très bien aussi. J'y arrive, c'est justement parce qu'on n'a pas encore parlé de la croissance de l'intégrale et ce que tu as utilisé, c'est pas vraiment la positivité, mais la croissance, et on y arrive. Je remonte. On va finir cet exercice-là rapidement parce que j'ai d'autres choses à vous dire justement sur ça. Alors, tiens, je vais me changer un tout petit truc, mais c'est juste pour vous aider là. Je change 10 secondes, le montrer que. C'est juste pour vous aider, mais ça pourrait très bien être montré que dans un sujet, et je mets en déduire. C'est juste pour vous montrer qu'on a déjà tout. Comment je fais pour prouver le dernier résultat d'après vous? Alors, la question 5 est certainement la question la plus dure du sujet. Par contre, il y a plein d'indices pour vous guider sur comment faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté en déduire, pour en plus que vous vous rendez compte que c'est utiliser les questions précédentes. À cause de la forme de l'inégalité, d'après vous, quelle question doit être utilisée forcément? Celle d'avant. Celle d'avant, celle à 4, je ne suis pas vraiment d'accord à cause de la forme de l'inégalité. La question 3 doit être impliquée parce que la question 3, vous êtes bien d'accord, ça fait intervenir du racine de 3 puissance n et du n plus 1. Ok, je suis d'accord avec vous qu'il faut utiliser la 3. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est passé de la 3 à des n plus 1 à des n moins 1, d'après vous? C'est lié aussi à autre chose qui est mis dans la question 5 et qui doit être réfléchi un tout petit peu logique. Mathéo? Oui. Ouais, mais c'est pas, attention, là-haut, c'est pas IN moins 1 qui vérifie ça, c'est la somme de deux termes qui vérifie ça. Mais il y a une idée quand même basée là-dessus, mais c'est pas assez clair. Baptiste ? Si, alors, mais l'idée, c'est pas très clair, mais c'est un début de l'idée. Le fait qu'on vous ait changé en vous disant d'un seul coup que n est supérieur ou égal à 2 et qu'on ait décalé le n plus 1 à n moins 1, on a décalé deux crans les calculs. Du coup, l'idée, c'est que la quantité qui apparaît, là, le racine de 3 puissance n moins 1 sur n moins 1, c'est pas le calcul de in plus 2 plus in. C'est le calcul de in moins 2 plus in. On a décalé de deux crans le calcul de la question 3. Donc c'est ça les deux idées mélangées. Si on ajoute à ça juste la petite information, je vous assure, de la décroissance de l'intégrale, on a gagné instantanément pour trouver cette inégalité-là. Donc il faut se rendre compte de tous ces petits trucs-là pour que ça se mette en place. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une question qui est certainement la plus dure du sujet. Mais maintenant que vous avez dégrossi tout ça, on va pouvoir s'en sortir. Allons-y. Question 5. Alors ça, c'est pas à mettre, hein, c'est moi pour vous expliquer. Le n moins 1 au lieu du n plus 1.
Non, je vais mettre un vrai DE parce que justement de deux crans. D'après Q3, on a IN plus IN plus 2 qui fait, alors je reprends exactement ce qui était marqué, ça fait du 1 sur racine de 3 puissance N plus 1. N plus 1. Pour tout N appartenant à N. Donc IN moins 2 plus IN, si je décale de 2 crans, ça, ça fait exactement 1 sur racine de 3 puissance N moins 1 sur N moins 1. Et ça, c'est pour tout N supérieur ou égal à 2. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça? C'est juste la traduction. J'ai décalé de 2 crans l'écriture. J'ai remplacé donc tous les N par des N moins 2. C'est exactement ça qui s'est passé. Oui, Athénaïs. Dans une copie, on a le droit de mettre d'après la question. Ah oui, complètement, il faut l'utiliser à chaque... Justement, je vais rendre... Il y a certains, j'ai pas rendu le DM2 de ceux qui ont aidé cet après-midi, là, enfin, TP d'info. Il y a certaines personnes qui m'ont fait des très bons DM. J'ai en tête Benjamin, par exemple, de mémoire, où t'as raté... Le seul truc que t'as raté, c'est, dans la question 6, utiliser Q3. Donc, il faut penser à... les sujets étant longs, enfin, quand on a un exercice, d'utiliser les résultats d'avant dans les questions d'après. Voilà, et donc il faut utiliser les questions d'avant dans les questions d'après et penser à dire, juste à dire, j'utilise ce résultat-là. Donc on a ce résultat-là. Comment ça peut permettre d'encadrer IN? Ben on sait quelque chose, c'est que IN-2 est plus grand que IN, or la suite IN est décroissante. Donc IN-2 est plus grand que IN. Et là encore, c'est une sorte d'amorce. Je peux donc ajouter plus IN des deux côtés. Ça me donne IN-2 plus IN plus petit que, enfin plus grand que 2IN. Ça me donne justement, avec le résultat que j'ai écrit au-dessus, 1 sur racine de 3 puissance N-1 fois N-1 plus grand que 2IN. Et c'est là un peu ton idée, Mathéo, hein, avec le dénominateur à 2, c'était pas très très clair, mais la décroissance, mais c'était cette idée-là. Donc ça, maintenant, si je la multiplie par 1/2, cette inéquation, ça me fait IN qui est bien plus petit que... je me suis trompé, j'ai mis un racine de 3 puissance n plus 1 à la fin. C'est un racine de 3 puissance. Et j'ai oublié le 2. Génial. Je corrige le membre de gauche. Je suis où? Je suis là. C'est 1 sur 2 racine de 3 puissance n moins 1 fois n moins 1. Remonte. Alors on a montré, avec ça on a montré la moitié compliquée de l'inéquation. De plus, on sait aussi que IN est positif. Et là je le redis, car tangente puissance n de t, c'est positif sur 0 pi sur 6. Et les bornes sont ordonnées de façon croissante. Au final, on a bien IN qui est compris entre 0 et 1 sur 2 racine de 3 puissance n-1 fois n-1. Oula, c'est un N-1 qui est mal passé ici. Je vais finir en deux lignes la question 6.
Ça va très vite, c'est très simple en général. Il y a encore une nouvelle idée sur les suites qu'on n'a pas encore revue et que je vais mettre entre parenthèses ici. C'est très rare qu'on l'utilise pour les intégrales, mais ici c'est le cas. Petit rappel sur les suites géométriques. Q puissance n, quel que soit, enfin, si je prends un réel Q et que je le mets à la puissance n et que je fais tendre vers plus l'infini, ça a plusieurs limites selon la valeur de Q. Est-ce que ça vous rappelle des choses, ça? Noa? Oui. C'est exactement ça. Donc une limite Q puissance N, ça fait du plus l'infini si Q tend vers, si Q est strictement plus grand que 1. Ça vaut 1 si Q égale 1. Ça fait 0 si Q est compris entre moins 1 et 1. Ça, normalement, tout le monde a dû le voir, ce principe-là. Ok. Oui. Alors, c'est assez logique. Prenons l'exemple de moins 2 puissance n. Moins 2 puissance n, ça te fait, en 1, ça te fait moins 2. Au carré, plus 4. Moins 8. Plus 16. Moins 32. Plus 64. Donc en fait c'est une fonction qui va osciller de plus en plus fort à la fois vers plus l'infini, à la fois vers moins l'infini. Elle est autant de fois vers moins l'infini qu'elle est vers plus l'infini. Elle ne peut pas avoir de limite, donc on dit qu'elle n'a pas de limite. Oui, Kautar. On avait vu le premier jour comment on connaît le signe d'une telle intégrale. Si la fonction est positive et les bornes ordonnées de façon décroissante, l'intégrale globale est négative. Donc, alors, 99% du temps, elles seront mises de façon croissante pour ne pas vous gêner. Mais si jamais elles étaient dans le sens décroissant, pour éviter les problèmes, je préférerais multiplier par moins et les remettre dans le bon sens pour pas avoir de problème tout le temps. Je pense que c'est plus simple pour vous. Ça arrivera tellement rarement qu'elles seront dans le mauvais sens qu'il faut pas se tromper. Le problème des bornes dans le bon sens, je vous le donnerai certainement en DM celui-là. Il y a un sujet horrible qui traîne. Où il y a une intégrale avec des bornes en x carré et en x. Avec des x entre 0 et 1. Et donc x est plus grand que x carré sur 0, 1 et tout est à l'envers. Et il faut réfléchir en permanence à être concentré pour pas dire de bêtises sur cette quantité là. Il y a un exo, si vous savez le faire, vous n'avez plus rien à apprendre sur les intégrales, sur les signes des intégrales. On le fera. Je sais pas quand, mais on le fera. Sûrement en DM, parce que si je vous donne ça en DS, j'extermine 90% de la classe sur cet exo-là s'il n'y a pas d'aide derrière. Ça fait, il n'a pas été donné depuis 2009, parce que je pense que déjà en 2009, c'était un massacre ce sujet. C'est vraiment un sujet très technique, mais si on sait le faire, il n'y a plus rien à apprendre, entre guillemets. Enfin, donc on le fera. J'aimerais bien continuer le cours. Merci. Pourquoi je vous rappelle les limites de suite? C'est juste pour une seule chose. Racine de 3 puissance n moins 1, c'est clairement racine de 3 à la puissance n sur racine de 3. Et ça, ça tend, quand n tend vers plus l'infini, par la règle que je viens d'énoncer, vers plus l'infini, car racine de 3 est strictement plus grand que 1. Donc, 1 sur 2 racine de 3 puissance n-1 fois n-1,
ça tend quand n tend vers plus l'infini, bah c'est tout simplement de la forme 1 sur 2 fois plus l'infini fois plus l'infini. Bon, ça fait du 1 sur l'infini, du 1 sur l'infini, vous devez savoir que ça fait 0. Par théorème des gendarmes, c'est toujours le même qui apparaît pour ce genre de choses, In va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est toujours la même façon dont on finit ces exercices-là. Ok. Je suis très content avec ça. On a vu la positivité de l'intégrale qui sert de façon systématique pour les suites d'intégrales. Faisons un deuxième exercice sur ce genre de notion où on va faire intervenir une deuxième notion qui est plutôt la notion de croissance de l'intégrale. La croissance de l'intégrale, c'est pour moi... Et très souvent, je ne parlerai jamais de croissance de l'intégrale. C'est exactement la même notion que la positivité de l'intégrale. Mais dans certains corrigés, d'autres profs vont vous parler de croissance de l'intégrale à cet endroit-là. Donc je vais vous montrer ici la différence entre les deux, mais on va comprendre que c'est exactement la même notion. Allons-y. Donc première chose. Pour ça, on va voir la dernière propriété... Non, je n'ai pas parlé du lien parité encore, on le fera la semaine prochaine. Parlons avant d'attaquer le nouvel exo de la dernière propriété du poly que je veux voir aujourd'hui, la propriété 4. Que justement j'ai appelé croissance entre guillemets et positivité de l'intégrale. La propriété laquelle, si A est plus petit que B et pour tout X appartenant à AB, f de x est plus petit que g de x. Faisons donc un dessin pour comprendre ce qui se passe. Je suis obligé d'élever de plus en plus la voix pour arriver à parler, ça commence à m'énerver en fait. Et à me fatiguer. Donc, faisons un dessin pour s'en rendre compte. Je vous fais des bornes AB, je vous fais un tracé d'une fonction f. Et je vous fais un tracé d'une fonction g qui est toujours au-dessus de f. Par exemple, cette fonction-là. Oh là là, ça a l'air dur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'intégrale de f et de l'intégrale de g? Elles sont positives, mais mieux que ça. Baptiste? Oui. Alors, l'intégrale de a à b de f de x dx est forcément plus petite que l'intégrale de AB de g de x dx. C'est ça ce qu'on appelle la croissance de l'intégrale. Pourquoi on parle de croissance et pas de positivité ici? Parce que c'est parce qu'il y a entre guillemets croissance entre les fonctions qu'il y a croissance de l'intégrale. Mais moralement, cette propriété c'est quoi? Ben, elle est équivalente, cette propriété, si je passe tout dans le membre de droite, à dire que g de x moins f de x est positive. Donc que je suis en train de faire l'intégrale d'une fonction positive. Donc en fait, je suis juste en train de dire que l'intégrale de g moins f est positive. Et par linéarité de l'intégrale, l'intégrale de g moins f, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Ça, c'est exactement la même propriété que celle qu'on vient d'utiliser de positivité de l'intégrale. Donc ce n'est vraiment qu'une conséquence directe de la positivité de l'intégrale. Donc moi, je sais que je le sais, je vais abuser d'un point de vue vocabulaire. À chaque fois que je vais utiliser ça, je vais parler de positivité de l'intégrale plutôt que croissance par abus de langage. Mais à mon époque, j'avais pas de propriété qui s'appelait la croissance de l'intégrale. On ne parlait que de positivité, positivité, tout le temps. Donc si dans un bouquin vous voyez le mot croissance que vous entendrez très rarement parler avec moi, c'est juste la même propriété que ça, enfin c'est de la positivité, il n'y a rien de plus que ça. Il faut juste très bien comprendre cette positivité. Est-ce que ça va sur la logique de positivité? Refaisons un deuxième exercice là-dessus pour bien maîtriser ça et on aura fini la semaine en maths comme il faut. Alors, ce n'est pas un vrai exercice, c'est un mélange de plusieurs questions mises à différents endroits dans le poly. Bah tiens, je vais changer de notation, on va l'appeler JN, pour avoir une nouvelle notation.
Ça, ça doit être une question de l'exercice 2 de mémoire. Il y a aussi une autre question qui traîne à un autre endroit. Là, je vais en rajouter une qui est de nulle part, mais montrer que... Bah tiens, pas montrer que. Étudier. La monotonie de la suite JN. Et la troisième question, je ne sais plus c'est quel exo et où il est, mais il est quelque part. Montrer que pour tout n appartenant à n, 0 est plus petit que jn et plus petit que 1 sur n plus 1. Voilà. Il y aurait une quatrième question, mais elle ne m'intéresse pas ici. Trouver la limite de jn quand n tend vers plus l'infini et sa limite c'est 0. C'est 0 par théorème des gendarmes, mais ça, c'est pas un raisonnement d'intégrale, ça ne m'intéresse pas ici. Ces trois questions-là sont des raisonnements d'intégrale et m'intéressent. Première question, on l'a fait tout à l'heure, il faut savoir comment on fait. Prouver qu'une intégrale est bien définie, c'est juste parler de la fonction sous l'intégrale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le chapitre de fonction avant. Ce qu'on peut dire, c'est que x donne x puissance n et x donne x puissance 1 plus x puissance n sont toutes les deux c infini sur r. Comme polynôme. Il nous reste à parler de l'opération par quotient. C'est un x puissance n sur 1 plus x puissance n et c'est infini. Ah, je peux pas descendre. Pour justifier ça, je vais juste faire une amorce toute bête. Or, sur 0, 1, bah, j'ai x qui est compris entre 0 et 1, ce qui me donne x puissance n qui est compris entre... Mince. X puissance n, il est compris entre 1 puissance n et 0 puissance n. X donne x puissance n est strictement croissante sur 0, 1. Et je vais finir là, je vais ajouter 1. 1 plus x puissance n, c'est compris forcément entre 1 et 2. Donc notamment, ça permet de dire que 1 plus x puissance n est strictement positif, donc ne s'annule pas. Je fais une nouvelle page et je monte ça. Voilà. Petite remarque en passant. J'ai contourné un gros problème en faisant ça. Et ça, c'est une des simplifications ou des choses simples sur les intégrales. Pour justifier que mon dénominateur s'annule pas, est-ce que vous êtes d'accord que c'est cet argument-là qui me permet de dire que mon dénominateur s'annule pas ? Ce qui se serait passé si j'avais voulu résoudre globalement, je fais juste un petit encart sur le côté pour vous expliquer ce qui aurait dû se passer, c'est si j'avais voulu résoudre x puissance n plus 1 égale 0, je me serais retrouvé avec x puissance n égale moins 1, et cette horreur là, ça dépend de la parité de n. Si n est pair, ça n'a pas de solution vu qu'une puissance paire est toujours positive. Par contre, si la puissance est impaire, il y a une solution à cette équation-là dans les négatifs.
Donc j'avais pas envie de m'embêter avec tout ça. L'intégrale, elle est juste sur 0,1. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher des arguments qui existent en dehors de 0,1. Je peux me limiter à dire que sur cet intervalle-là, j'ai pas de problème et ça suffit. Cette fonction-là, moralement, elle est définie sur R, ou c'est un continu sur R pour toutes les puissances paires, et elle est continue sur R privé de moins 1 pour toutes les puissances impaires. Donc c'est pas une fonction si simple que ça en dehors de 0,1. Oui ? J'ai ajouté 1 aux 3 membres. Oui, c'est une des rares fois où j'ai pas mis plus 1, j'aurais dû. Mais 0 puissance n, ça fait combien en puissance 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0 fois 0. C'est bon ? Et 1 fois 1 fois 1. Arrêtez de voir la puissance. Alors je sais que c'est moi qui insistais sur le fait que vous voyez des composés partout. Mais arrêtez de voir une puissance n comme une composée, c'est un produit. Parfois, ça vous permet mieux de comprendre les opérations, comme 0 puissance n, c'est 0 fois 0 fois 0 n fois. La suite est donc bien définie. Deuxième question, c'est la monotonie de la suite. Si vous avez digéré mon exo précédent, dans quel calcul je me lance ? Il faut savoir si c'est les croissantes ou décroissantes. Exactement, merci Marie. On va déterminer le signe de Jn plus 1 moins Jn. Tout à l'heure, il n'y a pas trop de doute, si on nous fait calculer ces deux intégrales ensemble, c'est qu'il faut les regrouper, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Quelle est l'opération de calcul à faire ici? Elle va être assez moche, mais il n'y a pas trop le choix. Il n'y a qu'une seule idée, hein, moi, pour continuer ce calcul. Benjamin? Ouais, c'est le même dénominateur, je vois pas d'autre idée. Hein. Ça me fait le dénominateur commun. Par contre, il n'y a pas de dénominateur commun plus simple que faire le produit des deux ici. Donc ça va me faire du x puissance n plus 1 facteur de 1 plus x puissance n moins x puissance n facteur de 1 plus x puissance... Il y a des choses qui ont simplifié. Ah oui, il y a des choses qui ont simplifié, bien sûr. Je vous laisse développer proprement, j'ai simplifié directement parce qu'ici il n'y a pas quelque chose d'exceptionnellement compliqué. Mais ceci, je vous assure que si vous développez le numérateur, il y a deux simplifications et que ça fait ça. Donc pour moi, il y a une étape encore à peu près évidente à faire pour obtenir le signe de cette horreur. C'est qu'au numérateur, maintenant, on peut clairement factoriser. Ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n facteur de x moins 1 sur... Et là, encore une fois, vous voyez bien l'horreur de cette fonction. On va absolument pas chercher à la calculer. On n'a jamais besoin de la calculer. La seule chose qu'on a besoin de dire, c'est que les bornes sont dans le bon sens et trouver le signe de la fonction sous l'intégrale. Donc ici, c'est assez simple. On a...
Pour la seule question dont on a besoin de signes, je vais faire encore une fois, une millième fois, une amorce. X est compris entre 0 et 1 parce qu'on est sur l'intervalle 0,1. Donc ça me donne du moins X qui est compris, pardon, je vais aller trop vite. Moins X qui est compris entre 0 et moins 1. J'ajoute 1, ça me donne du 1 moins X, c'est une quantité qui est tout le temps... c'est pas un moins X, ah mais je fais n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas un moins X ma quantité. C'est X moins 1. Je veux toujours me ramener à des trucs positifs, je sais pas ce que j'ai. On fait juste moins 1. Et ça fait x moins 1 est négatif. Donc cette fonction-là est positive. Je me permets d'aller un tout petit peu vite, là, au lieu de dire sont ordonnées de façon croissante, je me permets de dire et les bornes sont croissantes. Oui. Ah mais si, c'est... Pourquoi... Mais je vais aller trop vite et je dis n'importe quoi, je vais recopier ça en rouge, c'est négatif, la dernière fonction est négative. Je veux voir du 1-x depuis tout à l'heure, hein. Je sais pas pourquoi. Et les bornes sont ordonnées de façon croissante. Donc jn plus 1 moins jn est négative par positivité de l'intégrale. Cette suite, elle est donc décroissante. Alors, je vais redescendre après, donc vous en faites pas, mais là, il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu sur la question 3 pour que je vous explique comment on va l'attaquer. Donc je remonte un peu. Je redescendrai après. Bah il est où mon exo? Il est là, excusez-moi. Maintenant il faut montrer que Jn est encadré entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc le but n'est pas de calculer Jn, mais de l'encadrer, d'encadrer une intégrale. On a vu que pour le signe d'une intégrale, il suffit de trouver le signe de la fonction en dessous et que la bonne méthode c'est l'amorce. Pour encadrer une intégrale, la bonne méthode, c'est de faire une amorce, non pas sur l'intégrale, mais sur la fonction sous l'intégrale. Et après, d'utiliser la croissance de l'intégrale pour conclure. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas faire l'amorce n'importe comment, parce que ça dépend comment est mise l'inégalité. Typiquement ici, l'inégalité ici dépend encore de 1 sur n plus 1. Donc, il ne faut pas faire disparaître tous les n de votre amorce, parce que si vous faites disparaître tous les n de votre amorce, vous ne majorerez pas votre fonction par quelque chose qui dépend de n. Donc on va faire une amorce sur la fonction pour obtenir l'inégalité, mais en étant raisonnable sur ce qu'on peut calculer pour pouvoir quand même faire apparaître un 1 sur n plus 1. D'après votre cours et d'après la forme de l'intégrale jn qui est là-haut, quel calcul raisonnable, des calculs qu'on a déjà menés sur des primitives de référence ou ce genre de choses, fait apparaître du 1 sur n plus 1 dans les calculs? Noix? Oui, quand on fait la primitive de x puissance n, ça fait apparaître du x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc dans cette fonction-là, qui est là-haut sous l'intégrale, dans cette fonction-là, ce que je vais faire,
c'est que je vais essayer de garder le x puissance n pour qu'il me fasse apparaître du x puissance n plus 1 sur n plus 1 en primitivant. Par contre, ce dénominateur, alors oui, il y a du x puissance n aussi, mais en fait, il est gênant. Donc, je vais plutôt faire une amorce sur ce dénominateur pour le faire disparaître et pour pouvoir encadrer proprement mon intégrale. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je redescends maintenant, vous pouvez finir de noter, mais c'est ça qu'on va faire. 3. Donc je veux faire apparaître le dénominateur, c'est ce que j'ai fait l'autre fois. Je vais d'abord composer par x qui donne x puissance n qui est strictement croissante. Ça, ça va me donner 0 puissance n plus petit que x puissance n plus petit que 1. Ensuite, je vais ajouter 1. Ça va me donner 1 plus petit que 1 plus x puissance n plus petit que 2. Ensuite, je vais composer par l'inverse. Ça, ça va me donner du 1 sur 1 plus x puissance n plus grand que 1 demi et plus petit que 1. Et je vais finir après, je vais descendre. Mais il me reste que deux étapes à faire. Je continue là pour avoir juste un tout petit peu plus de largeur. J'ai tellement embarqué dans le coin pour rien. Ça, c'est équivalent. Alors, ce qui me manque pour faire apparaître ma fonction sous l'intégrale, c'est le x puissance n en haut. Comme je le veux au milieu, je vais juste multiplier par x puissance n partout. Ça, ça me donne x puissance n plus grand que x puissance n sur 1 plus x puissance n. Et ça, c'est plus grand que 1 demi de x puissance n. Là, j'ai fait quelque chose qui va m'intéresser. Alors, en faisant apparaître ces x puissance n, quand je vais primitiver ça sur 0, 1, je vais bien faire apparaître des 1 sur n plus 1. Donc, il me reste qu'une dernière étape. Et c'est une étape importante, c'est pour ça que je voulais y arriver là et qu'on venait vu ça aujourd'hui. Je vais intégrer l'inéquation par croissance de l'intégrale, la propriété qu'on vient de voir. Et je vous rappelle juste quelque chose, c'est quelque chose d'important, et il faut faire attention à ça quand vous notez vos copies. La propriété de positivité de l'intégrale ou de croissance de l'intégrale, c'est une propriété qui s'écrit en si, alors. Donc je ne veux pas voir de continuer les équivalences sans réfléchir à cette étape-là. Ce qu'on va faire, c'est une implication, notamment, et on va justifier le sens des bornes, car 0 plus petit que 1, où les bornes sont, vous pouvez mettre l'un ou l'autre, les bornes sont croissante. Le fait que les nombres sont ordonnés comme ça, ça assure que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx est plus grand que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x puissance n dx est plus grand que l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de x puissance n dx. Et j'ai oublié de mettre au-dessus. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec le principe de cette implication? C'est la propriété que je viens de vous montrer. Par croissance de l'intégrale, on n'a plus d'équivalence, on n'a qu'une implication. Et on a une implication qui implique l'inégalité qui est là. Maintenant, est-ce qu'il y a du calcul d'intégrale? Oui, les deux membres extrêmes de cette inégalité, ce sont des primitives de référence, on sait les primitiver, donc on va pouvoir encadrer notre intégrale IN. Je finis sur la dernière page et on aura fini avec ça. Je recopie un tout petit peu mieux cette inégalité. Le membre du milieu, c'était exactement... Non, c'est pas IN, c'est JN.
Et le membre d'à côté, je peux l'écrire comme 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Donc les deux membres se primitivent en x puissance n plus 1 sur n plus 1 à prendre entre 0 et 1. Voilà ce qu'on obtient comme inégalité. Une dernière remarque et on a fini là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que 1 sur 2n plus 1, c'est positif. Donc on a bien l'inégalité qui était dans la question. En fait, c'est ça que je vais vous apprendre, mais qui est vrai. Une amorce, en fait, ça ne marche que si vous pouvez décomposer toutes les étapes de votre calcul en sous-étapes toutes bijectives, en fait. Toutes strictement croissantes. Là, c'est parce que ajouter 1, c'est composé par la fonction x plus 1 qui est strictement croissante. Composé par x puissance n, c'est strictement croissant. Si toutes les étapes sont strictement croissantes, 1, l'amorce va marcher, c'est sûr et certain. Et 2, il se passe une deuxième chose, c'est que là, l'inégalité que vous allez obtenir par amorce est l'inégalité la plus optimale que vous pouvez obtenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, alors, le seul endroit où on n'a pas fait vraiment une amorce, c'est le passage de cette ligne-là à cette ligne-là. C'est le passage de ceci à ceci, parce qu'on a fait une multiplication. Et donc multiplier, ça n'a rien de bijectif, c'est juste multiplier les quantités. Mais moralement, jusque-là, on ne peut pas apprendre quelque chose de plus précis sur cette quantité que le fait qu'elle est entre 1 et 1,5. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a une inégalité qui est ici, qui est meilleure que ce qu'on voulait, parce qu'on voulait juste minorer par 0, et nous, on a minoré par un terme qui est strictement positif. On pouvait pas, donc on a obtenu quelque chose de plus fort que ce qui était demandé. C'est pour ça que c'est la bonne méthode. Est-ce que ça va pour ce principe de croissance d'intégrale, positivité de l'intégrale et les amorces à faire avec ça? C'est pour ça que j'ai eu besoin de vous faire digérer toutes ces propriétés de fonctions. On va beaucoup plus travailler sur ce genre de calcul-là que directement sur juste des fonctions...